y a plein de pas la voix, il y a le Togo, il y a le Gabon, il y a le Zimbabwe, il y a plein de pays. Côte d'Ivoire seul même décide aujourd'hui d'acheter tout le stock pendant 5 ans de Kimila. On peut faire ça en 5 ans. Elle est ça. Il y a acheter. Ivoirien, si c'est soutien seulement. Non. Si c'est soutien en Afrique, la Côte d'Ivoire s'est soutenue. Mais il faut s'ouvrir au monde. Il faut aller vers les autres, les personnes qui t'aiment. Quand des gens t'aiment, il faut te rapprocher d'eux. Kimi, c'est un leader. Elle doit aller vers les autres. Elle doit aller vers toutes les personnes là qui l'aiment. Au Mali, il y a plein qui l'aiment. Au Burkina, il y a des gens qui l'aiment. Au Bénin, on n'en parle pas. Bon, si un pays décide, c'est même pas toute la population du Burkina qui a décidé aujourd'hui. Non! C'est quelques énergumènes qui ont décidé de ne pas la recevoir. C'est des barbares. Nous, des gens qui ne vont même pas payer un produit. C'est des ploucs. C'est des ploucs. C'est des ploucs. Des illettrés, des gens même qui ne savent même pas s'exprimer en français. Ceux-là, s'ils ont refusé Kimila, c'est ça qui va toucher la PDG. Ça va pas faire mal. C'est ça là qui va vous faire mal. C'est-à-dire, parmi des bonnes graines, s'il y a demi, c'est quart de graines. Un quart de graines. Maman, c'est qui l'insulte là. Maman, ceux qui vous sont partis là, ce sont les couillés là. Et maintenant, elle n'a même pas payé pour moi 5 francs même. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas payer. Pardonnez. Pardonnez. Je dis que, pardonnez, Kimila, elle est internationale désormais, n'est plus pour la Côte d'Ivoire. Arrêtons même de dire, ah, la Côte d'Ivoire t'aime. La Côte d'Ivoire l'aime, mais elle a beaucoup de fans dans d'autres pays. Le monde entier l'aime. Notre Kimila, elle est devenue internationale. Il n'y a pas, en fait, on n'est pas, les Ivoiriens, nous, on est ouverts au monde entier. On n'est pas xénophobes. Le tribalisme a déposé de côté. Kimi, maintenant, elle est pour tout le monde. Le monde entier a besoin d'elle. Donc vraiment, pardonnez. On sait que vous aimez Kimi. Mais souvent, quand vous venez faire les postes là, réfléchissez et pensez à elle. Elle est commerçante. Elle a besoin de tout le monde. C'est pas tous les Burkinabés qui ont refusé que Kimi aille au Burkina. Kimi pouvait très bien aller au Burkina et puis vendre. Mais c'est par mesure de sécurité, comme Eva vient de le dire. Si son papa n'avait pas décidé, elle serait partie. Parce que elle s'en fout, quoi, en fait. Elle est une femme de prière. Donc, elle compte sur son Dieu. Et rien n'allait lui arriver. Rien n'allait lui arriver. Rien n'allait lui arriver. Nous ne rentrons pas dans les considérations géopolitiques. Restons là à soutenir la petite. Bon, excusez-moi si je dis la petite, hein. À soutenir Kimi, notre PDG. La prière surtout. Et arrêtons de faire des lives, des lamentations, des lives, des pleurs, des lives. Non, pleurez chez vous. Et puis, vous venez vous asseoir en plein live là. Quand ton ennemi, il te voit, il a peur. Moi, je vais jamais, je me lamente, je me justifie jamais. Je pleure jamais devant les gens. Je pleure une bosse. Et puis, je viens, quand il vient comme ça là, on dirait que c'est un militaire qui vient. Mes armes là sont comme ça, j'ai des armes comme ça. Et puis, si tu fais erreur encore, je tire sur toi. Parce que ma bouche là, quand il vient m'asseoir, on dirait même pas quelqu'un qui vient de pleurer. Pourtant, j'ai pleuré aussi. Donc, vraiment, soyons des personnes fortes. Quand vous voulez suivre un leader, soyez forts ou bien soyez fortes. C'est comme ça. Parce que si vous vous affaiblissez, elle devient quoi? Elle devient quoi? Arrête-toi un peu. Ah! Je vois même pas le problème qui est là. Et puis, on multiplie les postes partout. Où est le problème là? Où est le problème? Si Kimi a 10 000 produits aujourd'hui, les Ivoiriens vont tout acheter. C'est clair. Où? Les Ivoiriens vont tout acheter. Parce que si on dit soutien seulement en Afrique, là, on est numéro 1. Il n'y a pas aucun. D'après Kochamouch, il n'y en a pas. Si c'est soutien là, on va soutenir. Mais les voisins aiment Kimi. Il y a des pays, il y a des gens dans d'autres pays qui aiment vraiment Kimi. Elle doit aller vers ses fans, elle doit aller vers ses partisans, elle doit aller vers ses personnes. Quand on regarde au Mali comme ça, maman Eva God, la gars bosse, il y a plein de mamans là-bas qui l'aiment. On va. Bonjour à tous, bienvenue sur votre page Buzz for Mass TV, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Vous savez, si sur cette page, on est spécialisé dans. Le béret sur, pas le béret, Mbakata, Konko, partout là. Ici, on donne les informations correctes. On est là juste pour le fun, juste pour s'amuser dans la bonne humeur. Donc, ceux qui viennent mettre les organes sur cette page-là, pardon, vous n'êtes pas les bienvenus. Ici, on est là pour s'amuser. Je me présente, je suis Afro Princess, l'assistante de Buzz for Mass. Ah oui, Buzz for Mass a recruté une assistante, c'est ça. Quand on augmente le niveau, c'est comme ça, hein.
il a recruté une assistante, question de le soutenir. Il m'a dit, Afro Princess, s'il te plaît, viens m'aider. Tu sais que la famille est assez nombreuse. Je me suis dit, voilà, je suis là, pourquoi pas. Et puis bon, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour discuter par rapport à la vidéo de Kim qu'on vient de suivre là, où les tatas étaient en live. Elles ont vraiment dit de très très belles choses par rapport à Kimi, dont je suis tout à fait d'accord. Kimi, c'est une très très bonne fille. Si elle n'a pas pu écouler ses projets au Burkina, si elle n'a pas pu aller au Burkina, c'est qu'elle sur la Côte d'Ivoire la soutient d'abord beaucoup. Ce qui me plaît sur la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont, ils savent vraiment soutenir leurs artistes. Ils sont très très solides. Quand une fanbase ivoirienne, non, tu es au taquet. Regardez Diana. Elle n'a pas pu trouver son bonheur au Cameroun. Là, voilà, en Côte d'Ivoire, qui fait déjà les plateaux de télé. Elle va en France et tout ça, là. C'est comme ça. Moi, je suis... Pour ça, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le plafond du showbiz en Afrique francophone. Ils mettent vraiment les artistes au sommet. Les tata disaient dans la vidéo que... Même si Kim, il reste juste en Côte d'Ivoire pour seulement en Côte d'Ivoire pour vendre ses produits pendant 5 ans, elle va toujours écouler les stocks parce que elle est beaucoup aimée. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais vous le savez tantôt que pour qu'une personne soit internationale, comme elle va être internationale là, il faut qu'elle se... Elle parte un peu dans de nombreux pays. Malheureusement, pour elle, le premier pays qu'elle a choisi, ça ne s'est pas bien passé. C'est peut-être une bénédiction. Parce que cette affaire-là a pris nos cotonus et c'est en train d'augmenter sa cote de popularité. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ne connaissaient pas Kimi. Mais là, elle est en train de guérir la curiosité. Mais Kimi, c'est qui? Kimi, c'est qui? Kimi, c'est comme ça. Tant au Niger qu'au Mali, qu'en Guinée, Bissau, en Guinée, Conakry. Elle va toujours percer. Elle va être internationale parce que cette petite fille, vraiment, elle a de l'ambition. À 20 ans, elle réalise les choses que même les vieilles mamans de 60 ans n'arrivent pas à faire. Combien d'influenceurs, d'influenceuses, elles ont commencé avec les marques cosmétiques, elles ont arrêté. Je ne veux pas citer les noms des contemporains ici, là, sur bon, ma vidéo, mais vous-même, vous connaissez. Ils ont commencé, oh mon gloss, oh mes cils, oh mes palettes. Même pas 2 mois, 3 mois, maxi 1 an, ça a disparu comme ça. Mais Kimi, quand même, elle avait ses projets, c'est depuis les années, on voit comment elle se bat un peu de partout, elle crée les nouveaux petits trucs pour question d'agrandir sa collection, et on ne peut que la féliciter. Comme les tatas ont dit dans la vidéo, si tu n'es pas Kimi du Burkina, tu seras forcément Kimi du Cameroun, Kimi du Mali, Kimi du Togo, Kimi de l'Espagne, Kimi de la France, Kimi des États-Unis, du Canada et tout. Bravo à toi ma chérie, continue sur cette lancée, ça va aller. Tu ne peux pas faire le business sans ne pas avoir les détracteurs. Et ne te décourage pas. Comme les mamans disaient sur la vidéo, même les fans ne doivent pas se décourager. Parce que si vous vous découragez déjà, vous pleurez à sa place, elle va faire comment? Au contraire, on doit lui donner la force et envoyer les ondes positives. Donc Kimi, tu as tout mon soutien. Moi, je t'envoie beaucoup d'ondes positives depuis l'Espagne. C'était un peu mon commentaire par rapport à cette petite vidéo-là. Merci à toute la famille qui nous soutient tous les jours à travers un like.